vient à présent au déplacement aujourd'hui dans la métropole de Gérard Larcher. Le président du Sénat s'est rendu à Décines et à Bron pour évoquer la lutte contre les violences et les menaces faites aux élus. Ces derniers mois, vous le savez, hein, plusieurs maires de la métropole ont été directement visés. Ils ont également parlé des violences urbaines et notamment de la multiplication des rodéos et des tirs de mortier dans plusieurs communes de la métropole. Écoutez Gérard Larcher au micro d'Olivier Jouglard. Ça ne peut pas se banaliser. Voilà pourquoi la réponse de la justice doit être particulièrement ferme sur ce sujet. Nous ne devons plus avoir de plaintes, quand elles sont fondées, qui soient classées sans suite. Et là, c'est prévu dans le texte que nous venons de voter, c'était prévu dans Engagement et Proximité, et les deux gardes des Sceaux successifs ont envoyé des circulaires au parquet. Il faut considérer qu'à chaque fois qu'un élu est agressé et que les faits sont constitués, c'est la République qui est mise en cause.